Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Vous êtes prêts pour un défi? Aujourd'hui, on a un défi du futur. Vous connaissez les temps du futur? Futur proche, futur simple? Mettez cet extrait au futur. Samedi prochain, c'est le jour de la fête. Demain, je vais au bureau et je prends une semaine de congé. Après-demain, Alice et moi, nous écrivons la liste des invités. Dans l'après-midi, je leur téléphone. Je les invite chez nous samedi à 5h. Après-demain, Alice et moi, on va chez ses parents. J'achète un bouquet de fleurs pour eux. On y reste 2 jours. Ils déménagent donc, nous leur aident pour ramasser les choses. Nous déjeunons au restaurant et son père nous parle de son enfance. Deuxième jour, les délivreurs et les déménageurs viennent et nous allons à la nouvelle maison. Cette maison est près de chez nous. Donc, Alice et moi, nous retournons à la maison à pied. Nous faisons la fête chez nous, donc jeudi, il faut arranger la salle, les tables et les meubles. Nous avons une décoration simple et chaleureuse pour créer une ambiance conviviale. Pour le repas et les boissons, Alice prend la responsabilité et les organise. Moi, je choisis et mets à disposition quelques jeux pour nous amuser bien. La mère d'Alice aussi nous fait des gâteaux délicieux. Tout le monde les aime. La soirée est finie à 10h. Nous avons du temps pour faire le ménage. Nous nous couchons à 11h. Dimanche, nous déjeunons chez les parents d'Alice et nous sortons avec eux. Et maintenant, le texte futur. Samedi prochain, ce sera le jour de la fête. Demain, je vais aller au bureau et je vais prendre une semaine de congé. Après-demain, Alice et moi, nous allons écrire la liste des invités. Dans l'après-midi, je vais leur téléphoner. Je vais les inviter chez nous samedi à 5h. Après-demain, Alice et moi, on va aller chez ses parents. Je vais acheter un bouquet de fleurs pour eux. On y restera 2 jours. Ils déménageront, donc nous leur aiderons pour ramasser les choses. Nous déjeunerons au restaurant et son père nous parlera de son enfance. Deuxième jour, les délivreurs et les déménageurs viendront et nous irons à la nouvelle maison. Cette maison sera près de chez nous, donc Alice et moi nous retournerons à la maison à pied. Nous ferons la fête chez nous, donc jeudi, il faudra arranger la salle, les tables et les meubles. Nous aurons une décoration simple et chaleureuse pour créer une ambiance conviviale. Pour le repas et les boissons, Alice prendra la responsabilité et les organisera. Moi, je choisirai et mettrai à disposition quelques jeux pour nous amuser bien. La mère d'Alice aussi nous fera des gâteaux délicieux. Tout le monde les aimera. La soirée sera finie à 10h. Nous aurons du temps pour faire le ménage. Nous nous coucherons à 11h. Dimanche, nous déjeunerons chez les parents d'Alice et nous sortirons avec eux. Voilà, c'était le défi d'aujourd'hui. Comment était votre défi? Vous en êtes satisfait? Comme toujours, n'hésitez pas à écrire vos questions et vos avis dans les commentaires. Je les attends. Bonne chance, à bientôt!